Le point de l'actualité sur la télévision Labari en ce jeudi 12 juin et que nous entamons par les titres. Réunion hier du Conseil national de dialogue politique dans la salle des réunions de la primature et deux points à son ordre du jour, la sélection des membres du bureau du comité national chargé du fichier électoral biométrique et le recensement des Nigériens à l'extérieur. Journée internationale contre le travail des enfants célébrée ce jour et le Niger n'est pas en reste. Nous verrons en détail ce qui a été fait pour éradiquer ou tout au moins freiner le mal. Après le sommaire, voyons les détails. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au journal. À l'entame de celui-ci, le Conseil national de dialogue politique, CNDP, qui s'est penché hier à la sélection des membres du bureau du comité national chargé du fichier électoral biométrique et le recensement des Nigériens à l'extérieur. C'était sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, nous rapporte entre autres Adam Soumana et Ibrahim. L'ensemble de la classe politique nigérienne, sans exception, se retrouva encore une fois à travers ce cadre autour du Premier ministre et quelques membres du gouvernement pour discuter de certains points restés en suspens lors de leur dernière rencontre en date du 23 avril 2014. Les présentes assises se tiennent sur demande de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République. Cette réunion du CNDP a été convoqué à l'initiative de l'opposition ARDR sur deux points principalement. Un arrêté qui a été signé par le ministre de l'Intérieur pour mettre en place une commission chargée du recrutement des membres du bureau du comité national des fichiers électoraux biométriques. Et le deuxième point, c'est par rapport au recensement des Nigériens de l'extérieur. Et cet arrêté-là a une histoire. Et il a été discuté au niveau de la dernière session du CNDP. Il était convenu que fondamentalement, lorsque cet arrêté va être, avant d'être signé, il va être soumis à l'appréciation du Conseil national du dialogue politique. Le ministre de l'Enseignement nous a envoyé un draft au niveau de toutes les structures, c'est-à-dire l'opposition, la majorité et non affiliée, pour que nous fassions des amendements. Normalement, après les amendements, on doit convoquer une réunion de CNDP pour valider la synthèse de ces amendements. Malheureusement, ce qui n'a pas été le cas. Après les amendements, un arrêté est sorti et nous étions surpris. Ainsi, après plus de deux heures d'horloge, ces différents délégués sont parvenus à accorder leur violence sur les points inscrits à l'ordre du jour à la satisfaction du président du Conseil national du dialogue politique. Nous venons donc d'épuiser notre ordre du jour à l'issue d'une séance enrichissante qui nous a permis, comme par le passé, de dégager un consensus total sur des points importants dans la vie politique de notre pays. En marge de ce conclave, les deux principaux bords politiques du pays nous livrent leur appréciation de cette rencontre. Au finish, nous sommes satisfaits de cette réunion. Certes, tous nos amendements n'ont pas été pris en compte, mais je dirais à 80% les amendements de l'ARD ont été pris en compte. Nos amendements tournaient fondamentalement autour de la présidence de cette commission-là. Parce que dans l'arrêté qui a été signé, c'est le DAPJ qu'on dit pouvoir présider cette commission. Alors que nous avons estimé qu'il y a le haut commissaire aux intégrations, à la nouvelle technologie de l'information, et comme c'est une question qui concerne la biométrie, c'est lui qui doit la présider. C'est tout le point d'échappement entre nous. Le président du CNDP a su diriger avec tact, avec beaucoup d'expérience pour que le consensus puisse s'instaurer. Et vous l'aviez vu, le consensus est instauré et nous nous quittons. En tout cas, en très bon terme et vraiment avec une satisfaction totale. Parce que pour une première fois, nous sommes réunis et nous sommes entendus sur les deux points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Et je pense que si des réunions pareilles continuent tout le temps, et c'est le Niger qui va sortir grandi. Et je voudrais que l'Assemblée nationale prenne exemple
sur le CNDP que nous sommes en train de diriger aujourd'hui. Pour une fois, la classe politique nigérienne a fait preuve de maturité à travers ce cadre qui honore la démocratie du pays. Un exemple de consensus qui doit faire école chez l'ensemble des acteurs du paysage politique nigérien pour que règne la paix et la quiétude sociale, gage de tout développement. Et oui, le si nécessaire Comité national de dialogue politique, poursuivons ce journal, étendre la protection sociale, éliminer le travail des enfants, c'est ce à quoi nous invite l'Organisation internationale du travail OIT à travers la célébration aujourd'hui même de la journée internationale contre le travail des enfants. Célébration, oui, mais que fait le gouvernement du Niger pour endiguer, circonscrire le mal? Youssouf Omar et Ibrahim Abdou éclaire aux lanternes. Un quart du budget national devrait en principe être injecté dans l'éducation durant ces 5 années du régime en place. Et même l'éducation, avait dit le président de la République, sera gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. On n'a pas besoin de loupe pour voir le contraire de ce qui a été dit. Les enfants sont délaissés. Ils font toutes sortes de travail, vente d'eau, docker, mécanicien, orpaillage dans les mines. Le Niger, étant pays membre de l'Organisation internationale du travail, célèbre ce 12 juin la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants, bien que laissé dans une situation incertaine et un avenir incertain. Dans le contexte nigérien, une étude récente qui a été faite a démontré que 43% des enfants compris entre l'âge de 5 et 17 ans travaillent dans notre pays. C'est quand même énorme. Et la plupart des enfants qui travaillent là, ce ne sont pas des enfants de députés, encore moins des enfants de ministres ou de directeurs généraux. La plupart sont des enfants qui sont issus des couches défavorisées. Malheureusement, le ministère qui est en charge de la population, promotion de la femme, protection de l'enfant, qui a la charge de cette protection sociale, a moins d'1% du budget national. Budget d'ailleurs que les statistiques ont montré de 2010 à aujourd'hui n'a jamais été exécuté à plus de 60%. Les organisations non gouvernementales rêvent de voir un jour le fléau s'estomper. Elles conduisent des projets pour parer au mal, mais absence de suivi, on chasse le diable, il revient au galop. Nous avons eu un financement du BIT-IPEC sur 18 mois. Nous avons installé des comités de vigilance. Nous avons créé des centres de ressources où tous les soirs on projette des films pour montrer un peu la dangerosité du travail qui sont liés à l'exploitation uranifère. Nous avons également créé des unités de formation, des ateliers de couture, de menuiserie, et nous avons aidé à ce que des écoles soient construites sur ces sites-là. Et très malheureusement, les bonnes habitudes, très souvent on l'a vu dur, après le projet, quand il n'y a pas une suite qui est prise par l'État, qui est toujours là, nous sommes éphémères. Donc, aujourd'hui, c'est la mort dans l'âme que nous constatons que les mêmes pratiques sont en train de revenir sur ces sites-là. Face à la situation inquiétante, les discours laisseront-ils place aux actes concrets pour combattre le travail des enfants? En tout cas, pas avec le manque de déterminisme actuel. Le délibéré dans le cadre du procès qui oppose l'État du Niger et le CEPRAS, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants, est tombé et le CEPRAS qui suspend sa grève de 48 heures. Quelles raisons sous-tendent cette prise de décision? Souleymane Barma et Sadou Doumi nous aident à comprendre. C'est pour amener le gouvernement à honorer ses engagements vis-à-vis de ses militants que le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants a entamé cette grève de 48 heures. Une grève de courte durée car elle a finalement été suspendue à raison de son caractère non conforme à la loi, comme l'a annoncé le juge du référé à la fin du procès qui a opposé le CEPRAS à l'État du Niger ce jeudi 12 juin 2014. Le juge vient de déclarer illégal le mouvement engagé par CEPRAS ce matin du fait du non-respect du délai réglementaire de 48 heures conformément à l'ordonnance 96. Qui régit l'exercice du droit de grève. Bien que pour nous au niveau du CEPRAS, nous l'avions dit, nous l'avions défendu, notre préavis a été déposé le 9
pour une grève qui commence le 12, je crois quand même que nous estimons que nous sommes dans le délai. Mais la décision de justice, c'est une décision de justice. Le CEPRAS, en tout cas, prend acte de cette décision. Et Inch'Allah, nous allons sursoir à ce mouvement. Déterminé à mettre ses militants et militantes dans leurs droits, le CEPRAS envisage de déposer à nouveau un préavis de grève dans un bref délai. Nous allons en tout cas déposer notre préavis très prochainement. Composé de plus d'une trentaine de syndicats, le CEPRAS compte en son sein près de 80% de la totalité des enseignants du public. Parlons sport à présent avec le coup d'envoi hier après-midi au stade municipal de Niamey de la première édition du tournoi de basketball dénommé Coupe Fortitude. L'initiative est de l'agence d'organisation d'événements et de restauration Fortitude en partenariat avec l'Iptako TV. Mais le compte-rendu, lui, est signé Michel Didi et Aboubakar Souley. C'est une activité sportive qui se justifie par le fait que la directrice générale de cette agence a longtemps été elle-même footballeuse et entend ainsi contribuer à la promotion de cette discipline sportive. J'ai organisé cet événement dans le cadre du lancement des activités de mon agence parce que j'ai ouvert récemment une agence d'organisation d'événements et de restauration qui s'appelle Fortitude Agence pour que le public puisse savoir qu'il y a une jeune agence qui est là, qui innove, qui fait non seulement de l'événementiel, mais tout ce qui est organisation d'événements. Je me dis, il faut toujours innover et montrer l'exemple aux autres. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour prouver qu'on peut faire quelque chose. Et c'est surtout ça le message. On est tous jeunes ici. Il ne faut pas qu'on attende de trouver du travail ou bien quelque chose ailleurs. Si on veut, on peut vraiment. Et c'est ce que je veux prouver. Dans cette initiative, l'agence Fortitude est accompagnée par le groupe de presse Liptako qui s'est également donné pour ambition depuis sa création de contribuer au rayonnement de toutes les disciplines sportives en général. On a essayé de soutenir cette agence, cette dame dynamique. Dès le premier jour, quand elle était venue nous proposer cela, on s'est dit que c'est tout à fait normal parce que nous sommes une chaîne de sport, de musique. Donc si quelqu'un a une initiative allant dans ce sens, c'est avec plaisir qu'on le soutient. Donc c'est ce qu'on a fait et je pense que c'est très bon pour le basket qui avait connu des problèmes, qui est en train de se relancer. Et Amine est là, elle a aidé ces joueurs aussi à avoir de la compétition. Cette première édition de la Coupe de basketball dénommée Coupe Fortitude, qui réunit 6 équipes de la ville de Niamey, prendra fin le mercredi 18 juin prochain. Et oui, une actualité mi-figue, mi-raisin, mais c'est ainsi que va ce monde en ce jeudi. Merci de nous suivre et portez-vous bien. Au revoir.